En fait, dans ce projet qu'est la moto, qu'on appelle l'initiative Marche ou pas, ça c'est le troisième prototype. Disons c'est le 2.1. Je vais vous montrer le premier. Donc il y a eu la COP22 ici en 2016. Mm-hmm. Et au moment de la COP22, je vois une moto chinoise électrique rouler dans les rues ici, à Marrakech. Je sens que toutes les motos sont chinoises dans ce pays. Je vois cette moto électrique et je me dis, tiens, ça m'a fait réfléchir à la révolution électrique qui est en cours maintenant. Est-ce qu'elle peut signifier pour le secteur de l'artisanat? Et au fond, ce n'est pas juste l'artisanat au sens nostalgique du fait main. Ça veut juste dire cette énorme socio-économie derrière, ces 3 millions de gens par exemple dans ce pays seulement. Comment est-ce qu'ils peuvent se réintégrer de manière sensée dans le 21e siècle, au moment où leur pays est en pleine croissance? Et ce qui tout d'un coup a laissé l'artisanat sur le carreau dans le XXe siècle, c'était largement le moteur explosion, au-delà de la question de production de masse. Mais aussi le moteur explosion, techniquement, par la chaleur, la pression impliquée par son fonctionnement, a laissé automatiquement tous les matériaux artisanaux et ces techniques-là sur le carreau. Alors que les premières voitures étaient faites par les artisans du XIXe siècle. Donc, le développement de ce moteur, c'est aussi pour ça qu'on réfléchit à partir de ces moteurs explosion, l'héritage de ça. Et quand je vois cette moto électrique chinoise rouler, je décide de l'acheter. C'était vraiment la plus bas de gamme possible. C'était à peu près 5000 dirhams, donc 500 euros à peu près. Le petit entrepreneur qui les importait dans des conteneurs depuis Guangzhou et les assemblait ici, son espoir était que les artisans, la classe ouvrière, avait besoin d'une moto pas chère et pouvait se permettre du coup de conduire ça à moindre coût. Ce qu'il a un peu oublié, c'est que c'est aussi un facteur d'élévation sociale et ils n'ont pas envie de conduire une moto où il y a écrit partout dessus « j'ai rien du tout et j'y arrive pas ». Ils préfèrent avoir une meilleure moto. Ça pourrait quand même solutionner ce problème de pollution à Marrakech qui est infernal. Ben oui, de toute façon, ça arrive. Parce que la COP22 a mis en place des trucs. J'ai rencontré le maire la semaine dernière de la ville. Il commande en marché public 20 000 motos électriques pour l'année prochaine. C'est que le début. Et alors, il va y en avoir beaucoup. Mais il cherche comment les fabriquer. Qui va les fabriquer? Les Chinois. Ah, ça c'est dommage. C'est dommage, mais c'est évident en même temps. Donc il faut, c'est ça l'enjeu de ce projet maintenant, c'est de voir comment on pourrait, en grande quantité, produire avec ces 3 millions d'artisans, de manière décentralisée et informelle, des pièces détachées de motos jusqu'à faire un assemblage, et produire pour le marché local des motos électriques faites par les artisans. Sauf que c'est pas si simple. Alors on a des étudiants ingénieurs américains qui nous aident à développer, par exemple dans ce cas-ci, on a fait plusieurs essais pour la transmission. Donc là on a un cardan, ici c'est un autre système. Bon, on est encore juste dans la recherche par rapport à ça. Le moteur ici, il est imprimé 3D pour le modeling, mais au fond, c'est là qu'il vient. Alors on cherche à voir comment on va peut-être... À mon avis, on va finir par faire la transmission en impression 3D, puisqu'aujourd'hui, il y a des filaments en Kevlar, en polycarbonate, qui sortent toutes les semaines, il y en a plus. Et le dialogue, là, devient très riche. Je vois bien comment des designers new-yorkais utilisent une imprimante 3D pour faire des formes qu'on... Voilà. Mais ici, dans l'enjeu d'une société comme ceci, qui est basée sur l'artisanat de manière massive... Tout d'un coup, l'intervention, comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'imprimante 3D? À mon avis, ça peut créer des choses énormes, au fond. Donc, l'enjeu de celle-ci, ça devient une moto électrique. La première était cette moto chinoise qu'on a dupliquée telle qu'elle avec les matériaux, l'os, le cuivre, l'acier. Et puis, on a transposé les batteries et le moteur de l'original chinois vers la copie. Et on a roulé cette moto jusqu'à Tanger. On a même fait un film. Il sera projeté ici en mars au musée Yves Saint-Laurent. Et puis, une fois qu'on a vu ça et qu'on a vu que ça pouvait fonctionner, au fond, ça a été une boîte de Pandore qui s'est ouverte. Donc après, on a fait un deuxième prototype, et puis un troisième, et on en prévoit 5. Je vais monter le deuxième. Il y en a quelque part, voilà. Donc sur le deuxième prototype, qui est plus une espèce de roadster à l'américaine, c'était de prendre à l'inverse le meilleur moteur et 5 très très bonnes batteries qu'on pouvait trouver, et de fabriquer autour de ça une moto qui allait aller à l'encontre de l'idée reçue que l'artisanat ne peut... composé qu'une petite moto populaire et un petit peu ça, exotique. Donc en fait, c'était de faire une moto moderne, lourde, qui puisse rouler à 100 km/h et qui soit faite à partir de matériaux qu'on a trouvés que dans un rayon d'un kilomètre autour de l'atelier. C'est-à-dire que n'importe quel artisan puisse accéder aux matériaux pour fabriquer cet objet. Est-ce que ceci est encore un objet d'art pour toi? Ceci est un objet d'art, c'est-à-dire que c'est dans la collection de musée à Ostend. Ah, d'accord. Donc au fond, oui, c'est un prototype. Littéralement. Et c'est un objet d'art, et c'est un objet d'artisan. Mais c'est un objet qui et peut c'est une moto. Oui, qui peut être fonctionnel aussi à grande échelle. Qui est fonctionnel. Le but, qui est fonctionnel à grande échelle. C'est fonctionnel, et au fond, c'est fonctionnel, mais on peut aussi l'accrocher au mur, si on veut. Donc, on va essayer de vous poser la question en amont et en aval de l'objet, qu'il soit de consommation, d'art,
de design, d'artisan ou autre. Mmh. Et au fond, comment est-ce qu'on produit ça? Quelles sont les logiques? D'où la, on essaie de faire des think tanks, on en fait, le prochain sera dans deux semaines ici à Marrakech. Donc on réunit 30-40 personnes et on réfléchit au modèle socio-économique par lequel on pourrait produire en grand nombre une moto comme ça ici de manière sensée. C'est-à-dire que maintenant le Maroc a mis en place le régime d'auto-entrepreneuriat. Donc un artisan aujourd'hui peut avoir une patente et peut facturer. Ça date de 6 mois, ça n'existait pas avant. Ça permet tout d'un coup à une société de centraliser tout en décentralisant le travail sur certaines pièces, de fonctionner par facture, en sous-traitance, disons. Et ça permet de respecter l'informalité marocaine de ce secteur, parce qu'on ne peut pas juste tous les faire rentrer dans l'usine. Je veux dire. Il y a une volonté du gouvernement pendant longtemps de faire ça, un peu sous le modèle Renault. Sauf que les artisans, ça fait maintenant 40 ans, par exemple Abdelkader, qui est là, il est artisan depuis 12 ans, depuis qu'il a 11 ans, pardon. C'est impossible qu'ils deviennent un employé. Enfin voilà, ils sont trop libres, ils rentrent pas dans le moule. Alors est-ce qu'on va juste attendre qu'ils meurent tous, ou est-ce qu'on trouve un moyen de les rejoindre à mi-course, à mi-chemin? Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire avec ce modèle. Mais et pour ça, il faut développer le prix de revient d'une moto pour un artisan s'il veut rouler en moto. Ça devrait être 1 500 euros. 1 500 euros. Ouais. La moto japonaise dont celle-ci est inspirée, la T50 Yamaha, elle est à 2 000 euros. Et même si la moto chinoise électrique à 500 est disponible, en fait, par exemple, j'ai 3 employés qui ont tout fait, on a fait du crédit avec eux, ils voulaient cette moto-là. Parce que c'est une manière de dire, j'y arrive. Peu importe si c'est au-dessus de mes moyens, au fond, et je comprends bien la logique, elle est belle d'ailleurs. Elle permet d'avancer. Donc ici, on ne va pas essayer de faire la compétition avec cette moto japonaise extrêmement bien conçue, parce que personne ne va l'acheter, la nôtre. Donc il faut qu'on soit en dessous de ça. Et en même temps, au-dessus de la moto chinoise à essence, en dessous. Parce qu'il faut quand même... Voilà, le but c'est de voir comment on va faire en sorte que Made in Morocco devienne quelque chose, au fond. C'est un enjeu très important. Et tu es soutenu par qui pour ce projet? L'instant, on n'est pas vraiment soutenu par quiconque, mais enfin, moi j'attends, j'ai pas cherché à être soutenu. Je veux pas que ce soit subsidié, je veux que ça se fasse par vente. Donc en fait, ces prototypes sont vendus comme objets d'art, on réinvestit dans la recherche en développement, et quand on arrive au prototype final, parce que parler, ça n'amène à rien, surtout en Méditerranée. Donc, une fois qu'on a l'objet final, là, on le pose devant un ministre et on dit « roulez, et si vous voulez investir, vous êtes le bienvenu ». En gros, c'est comme ça. Mais il ne faut pas le faire dans l'autre sens, parce qu'au fond, sinon ça reste alors dans le discours artistique, au fond, l'idée, et tout le monde va croire que c'est de l'utopie, alors que le but, c'est que ça n'en soit pas. Donc, par exemple, la foire africaine ici, un 54 arrive dans quelques jours, ils voulaient montrer ça dans le cadre de la foire, et je ne voulais absolument pas ça, surtout au Maroc, parce que le but, c'est pas que ce soit vu d'abord comme objet d'art. Ça doit être d'abord vu comme objet fonctionnel, comme moto, et ça rentre par le bas. Ce sera plus facilement. Et après, c'est aussi un objet d'art, mais en second temps, disons. Et l'idée, c'est que chacune des pièces qui sont faites dans cette moto, elles sont fabriquées et conçues pour que les matériaux et les techniques et les outils des artisans ici puissent les faire. Donc, par exemple, les freins sont faits avec... On leur redonne forme à 45 degrés pour qu'on puisse les démouler dans les processus, même le sol de fonderie, etc. Et après, si un client achète ça, il peut aller chez n'importe lequel des artisans au Maroc pour changer telle ou telle pièce dans un autre matériau s'il veut, il peut la faire sculpter. Ça devient aussi une plateforme d'expression ensuite. Mais il y aura une logique et un marché clair, les prix des pièces sera fixé, il y aura un second marché pour les pièces détachées, etc. On est loin du moteur de la première... Mais pas si loin en fait. Premier atelier, vraiment. On est dans une logique, mais elle n'est pas uniquement engoncée dans un seul marché, un seul statut, un seul secteur. Ça permet de désenclaver certaines problématiques de l'art contemporain occidental aussi, qui est une tour d'ivoire. Il faut, à un moment donné, il faut. Donc, c'est marrant. Parfois, je trouve un collectionneur quelque part qui me dit « mais c'est décoratif comme travail ». C'est-à-dire qu'il pense que c'est nostalgique, alors que je pense que c'est radical. Mais au fond, la classe bien-pensante et bourgeoise, depuis Duchamp, a dit « bon, effectivement, la beauté, on l'a reléguée, c'est devenu un peu suspicieux presque, la beauté ». Or, toute la classe ouvrière est toujours dans ce rapport à la beauté. La beauté est quelque chose d'éternel là-dedans. Mais dans les acheteurs contemporains, au fond, maintenant toute la bourgeoisie, bien pensante, considère que toute chose belle ne vaut pas la peine d'être achetée. Et il faut que ça boite. C'est le concept, il ne peut pas y avoir les deux. Concept et beauté en même temps. Beauté au sens, je veux dire, plastique, vraiment. Et c'est intéressant du coup de voir ce clash. Parce que ça redevient, à mon avis, une vraie problématique de ramener la beauté dans l'art contemporain au sens de ces artisans,
C'est un challenge, au fond. Ça va à l'encontre, c'est, vous voyez ce que je veux dire, d'une certaine de l'évolution depuis l'après-guerre. Et donc ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est juste derrière, il y a le débat des classes. C'est-à-dire... C'est fabuleux.